Toujours qui ont fini par se marier, ils ont eu bien des enfants, puis ils ont vécu heureux jusqu'à la fin de le jour. Ah. Il n'y a encore personne comme les vieux pour compter des histoires. Bon, ben, c'est au tour de Pépé, resteur. Oui, oui, hein, il y a Pépé. Eh ben, c'est correct. Moi, vous comptez quand Pete Lalumière était venu à Montréal. Il rentre dans un restaurant. C'était un restaurant bon marché, parce que, vous comprenez, il ne voulait pas que ça y coûte cher. Il chargeait 15 cents. Tu vois qu'il n'y avait pas grand-chose à choisir. Il apporte une espèce d'affaire, du chiot, ni plus ni moins. Il appelle ça du stew. Et il se met à manger, puis d'un coup, il aperçoit quelque chose dans le coin de son assiette. Donc, quoi c'est ça? C'est pas un morceau de viande. Fait qu'il se met à pousser ça avec sa fourchette, puis d'un coup, il s'aperçoit que c'est un morceau de papier. Il déroule ça à une carte à jouer. Okay. Ben, là, il appelle le commis, il dit, écoute, ça n'a pas de bon sens, ça va être comment faire jouer bon marché? Il dit, on donne pas du papier demain. Il dit, regardez-moi non ça, il y a une carte à jouer. Ben, le gars, comment une carte à jouer? Tiens, il dit, regardez. Il dit, elle n'est pas encore dépeinturée, il dit, l'os de trèfle. Ben, le commis, il dit, ouais, l'os de trèfle. Mais il dit, pensez-vous que pour 15 cents, il dit, on va vous donner une straight flop, il dit. qu'est-ce que vous penseriez d'une petite toune par David pour faire changement? Bon, c'est genre pour Pépé et Mémé que tu vas nous chanter une petite chanson, sœur, hein? J'ai vu le 25 de mai sur la glace un gros bélier qui friquette des oignons avec des flottes de neige dans l'oreille d'un pigeon et sur le dos d'un lièvre. Un carotte bien grillé, quatre crapauds bien attelés, un waron poudré frisé assis dans le carrosse. Une grenouille à ses côtés, je crois qu'ils vont aux noces. J'ai vu la mère lapin se promener sur un gros pain. Ils avaient pour leur coffee un maringouin d'automne qui jurait comme un fortier, encore faisait-il l'homme. Une sauterelle mal avisée monte en haut pour se couffer. Elle est tombée du haut en bas, ses coffres et la cervelle. Elle est morte depuis tant là, j'en ai su la nouvelle. Bon, ben écoutez, je commence à avoir des frémis des jambes, moi. Je propose un 7. Envoie David, là, monte sur la table, puis tâche de nous fialer ça correct. On te fera une traite de plus qu'aux autres pour te remercier. Envoyez fort, là, ceux qui veulent danser. Je vais vous coller ça dans les grandes largeurs. Demandez vos compagnies. Saluez les coins. Balancez. Souignez. Promenade.